Let's do King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 52e épisode partie 2 sur Graveyard Keeper. Et si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien je vous invite à aller la voir. Après avoir obtenu les papiers d'aristocrate, rendu visite à nos petits réfugiés et récupéré une petite recette et quelques composants chez Clotho pour pouvoir concocter pas mal de petites potions afin d'essayer de faire des petites mixtures pouvant améliorer l'état des corps qu'on a à la morgue et pourquoi pas nous faire quelques petits zombies, et bien on repart à l'aventure. Il va nous falloir rencontrer Mademoiselle Charme pour lui apporter les papiers d'aristocrate afin qu'elle puisse partir avec la fille du fermier en ville. Mais je vous laisse découvrir la suite de nos aventures. Bon visionnage. Ok les jeunes, me voici, me voilà. On va aller voir Mademoiselle Charme avant que la nuit ne tombe. J'étais plongé dans ma petite concoction de livres. Sachant qu'il me faut de l'agent de tannage et j'ai pas la recette, j'ai vérifié, donc ça va être compliqué. Donc salut mon chou, que puis-je pour vous machin et compagnie. Ah putain merde, j'ai pas les papiers sur moi. C'est chaud là. Je sais même pas si je peux pas me téléporter à l'église. Ah putain merde, c'est chaud chaud chaud. Oh, j'espère que ma pierre aura le temps de recharger. Donc, ouais. Là, je suis en train de me taper un trajet pour rien. Ah, donc. Ouais, et la pierre est rechargée. Ah non, je veux pas la déposer, les jeunes. Je veux m'en servir. Putain, merde, faut que j'attende. Ah, bah, je vais commencer à faire le chemin à pied. Ça sert pas à grand chose, mais bon. À part attendre sur place, ouais, donc ouais, là j'ai fait de l'acide, mais j'ai pas la recette de tannage. Je me trimballe avec mon jus de pomme et je peux utiliser la pierre, donc on va essayer de se dépêcher. Donc j'ai les papiers, ma petite dame, c'est mon chou, que puis-je faire pour vous? Papier d'aristocrate, donnez-moi les papiers pour Alice, je peux les signer. Vous êtes donc un aristocrate désormais? C'est exact. Ok, merci pour l'histoire. Je pensais que cela vous ferait grandir un peu. Et cela ne vous a pas rendu plus beau non plus. Vous êtes mon seul ami, pourriez-vous m'aider encore une fois? Que se passe-t-il encore, Mademoiselle Charme? Ce serait peut-être bien qu'elle nous file son aide aussi. J'ai désespérément besoin d'une nouvelle chanson. Je pensais me contenter de chanter mes anciens succès. Mais on m'a conseillé d'interpréter quelque chose de nouveau en plus. Je peux vous écrire des paroles, mais je ne suis pas poète. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi, ma vie en dépend. Je connais peut-être un poète qui pourrait vous écrire une nouvelle chanson. Ok. Partir. On va aller lui causer, là. Ah ouais, non, son vin, on s'en fout. Wagner, c'est une chance unique, mon ami. Mademoiselle Charme a besoin d'une chanson d'amour. Mais qui pourrait bien la lui écrire? Oh, je suis tellement excité. Mais, et si ma chanson n'est pas bonne? Vous êtes futé et talentueux, laissez simplement parler vos sentiments. Non, je ne peux pas, il me semble faux. Je ne peux pas, il me faut une source d'inspiration supplémentaire. À l'université, les autres étudiants parlaient d'une légende selon laquelle une infusion d'amanite tue mouche. Ouvrez les vannes de l'inspiration. L'infusion doit être faite avec un alcool très fort. On a de l'alcool et on a les amanites tue mouche. Ok, je vais essayer de vous préparer cette infusion. Ok, donc voilà l'infusion. Allez, on arrive. Petite pierre, je suppose que c'est à mon domicile que je vais sûrement devoir faire ça. Est-ce que ça va être ici ta concoction d'amanite tue mouche là? L'infusion, alors peut-être que ça va être au four. Là, ça va être pour charger le combustible. Là, j'ai pas. Là, je l'ai fait où ta recette d'amanite tue mouche là? Là, c'est juste mes desserts. Qui me rendent circonspect principalement. Ah putain, à moins que je sois allé trop vite. Là, il n'y a pas. Est-ce que ça se ferait pas là en dessous? Là j'ai qu'une recette donc ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il faut pas lui distiller ça ici? Ouais voilà, il faut trois champignons. Il me faut des champignons et j'en ai
de ce côté. Donc je vais en ramener, je vais en faire quelques-unes, on sait jamais. Je sais pas si moi je pourrais le goûter. Je vais essayer d'en faire 4 pour commencer, ça me semble pas mal. Donc il me faut 12 champignons. Ouais, merci bien. Et ouais, j'ai entreaperçu la recette pour les sacs. On va aller voir ça après ensemble. J'ai déjà lui déposé ceci, que ça se fasse. Ah, merci bien. On va en faire 4. Et puis, il me faut des pièces de fer complexe. Ok, la première, c'est fait. Je pourrais limite aller le voir maintenant, avant que la nuit... Donc Mademoiselle Charme parte. Je vais lui rapporter maintenant. Hein. Voilà la fusion. Okay. Laissez-moi la goûter. Oh, je me sens tellement inspiré. Maintenant, laissez-moi un peu de temps. Revenez plus tard. Je dois me concentrer. Ah merde, je me suis pressé pour rien, quoi. Je peux pas bouger, en plus. Partir. Et de toute façon, Mademoiselle Charme, bah, elle est pas là, quoi. Ok, donc moi, je peux re-rentrer à la casa, quoi. Ah ouais, bon, je suis dépité. Je sais pas si j'avais mis des caisses en vente, voir s'il n'y a pas un peu de sous pour moi ici, et on est parti. Hein. Ok, les jeunes, me revoici, me revoilà. Ouais, des livres, là, je vais pouvoir en faire, mais je sais pas si ça va passer, là. Faudrait que j'en fasse déjà en cuivre. Je vais en faire. Alors, j'ai pris des trucs là pour la recette de tannage. Enfin, pas pour la recette de tannage, mais pour le sac là. Voilà, par contre, il me faut l'agent de tannage. Donc, j'ai pris les pièces de fer complexe et tout, mais l'agent de tannage, je peux pas en faire. Ce que je peux faire par contre, c'est me faire 2 engrais enrichis. Enfin, quoique là, je peux en faire qu'un seul. Et ça va m'en faire 10. On va tester. On va tester comme ça, ça c'est au moins fait. Et là, un stimulateur de croissance, mais j'ai pas encore la recette. Et je peux rien faire d'autre. Là, j'ai pas l'agent de tannage. Ici, pour faire des livres, bah, le seul problème c'est qu'il faut agent de tannage. Et si j'ai pas des livres reliés, bah, je peux pas faire ça en argent derrière. Et en or, bon ben bah, les bijoux on les a, mais j'ai pas les livres. Et en plus, là, il faudrait que je les étudie. Donc je suis consouillé. Ici, bon ben, le désodorisant, je peux le sortir. Et après, c'est surtout ce que je peux faire ici qui m'importe. Donc l'élixir noir, j'en ai pas. De l'alcali non plus. Là, j'ai injection de colle. Il faut que je prenne tout ce que j'ai fait déjà pour voir ce que j'ai. Et que je fasse ce que je n'ai pas. Là, j'ai de la colle. C'est quoi à côté? Ouais, et de l'acide. J'aurais pu déposer mon acide. Donc là, on a un conservateur. Normalement, j'ai une petite place pour le mettre là. Je vais intervertir après. Sachant que ça, ça m'enlève 20 de vie et ça me file 80 d'énergie. Je suis pas forcément motivé. Après, pendant que je bosse, pourquoi pas. Hein. Il me semblait que j'avais mis un truc ici. Non. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est déposer mes pièces de fer complexe pour le moment, vu que bah, je suis coincé. Et ici, j'ai pas de breuvage. Par contre, j'avais pris mes popos pour les ramener, les rapatrier ici. Donc la poudre de souvenir, on a, mais je peux pas faire la recette. La dague, elle me sert pas à grand chose pour le moment. Ouais, des plumes, va falloir que j'en rachète aussi. Va falloir que j'en rachète. Donc normalement, j'ai pris toutes mes concoctions. Ah non, j'ai celle-là aussi. Injection noire. On va venir là comme ça. Et j'aimerais bien venir mettre ça là et je vais déplacer mon jus de pomme pour le moment. Voilà, merci bien. Les pages, on les déposer. On est bon. On va tester les recettes là. Là, j'ai plus rien. L'acide, je peux le laisser ici. Et après, faut voir.
Ah, l'élixir d'argent. Il me faut de la solution de chaos, j'en ai plus. Potion de berserker en dessous. L'acide, j'en ai fait une, je peux plus en faire. Ah, et teinture de souvenir, les jeunes, je peux la faire maintenant. Donc on va faire ça, et au pire des cas, on clôturera l'épisode en allant parler à notre petite mâchoire. Je peux en refaire d'autres, d'ailleurs. La colle, on en a. Alors, de l'élixir en or, je vais en faire deux. Ouais, merci. Ah, de l'élixir en or, c'est fait. De la colle, je sais pas combien j'en ai. Potion de digestion, non. Et ça, on en avait fait. On avait fait, normalement, je l'ai sur moi. J'en ai deux. Ah, j'en ai deux. Injection d'acide, injection noire. Injection d'acide, injection noire. Ah, je vais peut-être me refaire ne serait-ce qu'une colle. Ça, ça m'en fera 3, vu que normalement j'en ai 2 de rangée. Ça, je vais faire les deux. Ah, merci bien. Et puis on est bon. Après, il faudrait que je fasse des solutions du chaos, les jeunes. Faut que je retrouve la recette, quoi. Pareil pour l'extrait du chaos. Oh, pour faire l'extrait du chaos, c'est chiant que les petites fioles là, on n'ait pas les recettes même à l'établi en dessous et ça chope les ingrédients directement quoi. Là je vais me taper que des teintures et tout. Même le désodorisant je peux pas le faire. Et l'élixir noir, il me faut du sang. Mais j'en ai pas et épices j'en ai pas forcément besoin. Ok, mûr. Ah, j'ai réussi à faire 2 solutions du chaos. Avec mes tambouilles, là. Mais c'est pas encore ça. On va mettre ça ici. Mes petites gelées. On va les mettre là. Là, je pourrais en faire. Ah, c'est un peu une... c'est un peu un bordel, hein. Donc... Au niveau des potions, on va voir que je vienne là. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Injection de colle, j'ai pas. Ce fluide peut être appliqué à un corps sur une table d'embaumement pour modifier ses caractéristiques. Je vais en faire un. Ok, c'est déjà fait. Injection de conservation. Putain, j'en avais pas déjà, les jeunes. Ah, j'ai le conservateur, mais j'ai peut-être pas l'injection. Ah, j'ai peut-être pas l'injection, donc pareil... Ok, ça se fait hyper rapidement. La solution, j'ai pas la recette. Ça, je peux, par contre. Voilà, merci. Élixir d'argent, j'ai pas la recette. Ou je l'ai pas. Et injection d'acide. Injection d'acide, c'est fait. Ok. Bon, bah ça, j'en avais déjà, donc voilà. La lessive, je l'ai pas parce qu'il me faut l'alcali. Et l'alcali, j'ai pas la recette, les jeunes. Hein. À part en acheter, c'est tout ce que je vais pouvoir faire, quoi. Ou de m'amuser à mélanger encore des trucs et des trucs, quoi. Et, de l'élixir d'argent, il m'en refallait, donc je vais en faire 2. Ça, je vais pouvoir sortir le truc à côté, là. Forcément, je peux pas ramasser les popos. Ça, je pourrais en refaire d'autres, mais bon, ça va attendre. Ça, je peux plus. Il me fallait un truc avec le chaos, les jeunes. Ouais, bah justement, je viens de le faire. Mais c'est marrant, c'est qu'ils me disent que j'en ai plus. Que j'en ai plus. Je vais essayer de me débarrasser de ma gelée, à ramasser ça. On va se refaire des potions et c'est pas maintenant qu'on va tester de balancer des trucs dans nos corps. Attends, j'ai ma boulasse là, j'arrive pas à la déposer quelque part. Si, ici. Et celle-là. Truc visqueux ralenti. Par contre, l'extrait du chaos, pareil, pour en ressortir, ça va être en bas dans les alambics.
Et pour savoir avec quoi exactement, on va essayer de se faire un zombie, au moins ce serait pas mal. Je vais quand même sauvegarder avant. Et on va essayer de faire des mélanges. Donc là, je pouvais faire un truc avec mon élixir d'argent. Élixir d'argent. Ah ouais, faut que j'aille les ramasser. Merci. L'élixir d'argent. Donc tout ça, on peut pas. La lessive et compagnie. Je crois que l'élixir d'argent, pour le coup, ça me sert qu'à ça, mais je vais en faire qu'un seul pour le moment. Et je peux pas les ramasser. C'est le bordel de partout. Je vais aller foutre de l'engrais enrichi dans mon potager. La terre, il faudrait que je la dépose là. Parce qu'on en aura besoin pour si jamais bah, je veux refaire de l'engrais, justement. Et ça va être... Bon, les livres, on est bloqué. Bon, là, j'ai pas l'agent de tannage. Et là, il me refaudrait de l'élixir d'énergie. Exhausteur de goût, j'ai pas. Et stimulateur de croissance, j'ai pas non plus. Je peux juste faire pousser plus rapidement pour le moment. Puisque l'exhausteur de goût et l'agent de croissance, je les ai pas, quoi. Ok, donc on est ici. Les gerbes, je peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'il fallait donc que je fasse? Que je passe à... Ouais, que je fasse dodo et qu'on teste faire un zombie. Ok les jeunes, le petit jour est là. On va aller chercher la mâchoire. Ouais, il me reste un emplacement. Donc ça, on va le prendre. On va se mettre dehors, ça sera peut-être mieux. Et donc maintenant... Utiliser. Et maintenant, appliquer en pulvérisation. Dans les deux yeux. Oh là là. Ah, mes yeux! C'est encore pire que de l'ail de berger. Ah! Que dalle. Bon, Cloto m'avait prévenu. Réessayons encore une fois. Foutue teinture. Ah, ça veut dire qu'il faut que je m'éclate à en refaire. Ah, bah écoutez, je vais toutes les sortir. Et puis on va surtout aller se faire un zombie là. On va tester. Bon, déjà, je vais retourner faire dodo. Et après, on va tenter nos mélanges. Ok, nous voilà à la morgue. Ah, il veut me parler. Félicitations, Yorick m'a dit que vous étiez un aristocrate désormais. Oui, mais comment le sait-il? Eh bien, il aime bien vous suivre. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas à côté de vous. Il est là actuellement? Je parie que oui. Ah. Ah. Ok, super. Ah, super les jeunes. Moi j'ai besoin d'un burger et là j'ai pas de burger. J'ai pas de burger. Par contre là j'ai le corps de monsieur de cimetière. Faudrait que je m'amuse à faire des expériences sur celui-ci d'abord. Celui-là, faudrait que je le décortique et là. Faudrait que j'arrive à décortiquer celui-ci, mais faudrait que je me bouffe un burger d'abord. Ok, mur, nous revoici à la morgue. Après peut-être bien 2-3 semaines, je suis allé à la pêche pour choper des grenouilles et me faire des burgers. C'était une tannée. Donc j'ai tous mes trucs, je suis passé chez Cloto aussi. Je me suis acheté une petite recette. Recette de peinture noire, ça commence à me gaver ces recettes-là. Parce que je crois qu'en plus, la recette de peinture noire, je l'avais déjà. À moins que ce soit une nouvelle. Je suis aussi blindé de livres, j'ai plus de place. Faut que je refasse de la place là-bas. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est quand c'est dans un sac. Je peux pas l'utiliser. Ah, là, je pourrais. Injection de conservation. Je sais pas si ça enlève des crânes. Ici, il faudrait que je l'autopsie celui-là. Mais avant, ce serait peut-être bien, c'est de le foutre ici, peut-être. Et de voir ce qu'on peut lui injecter. Là, pour le coup, je peux mettre que ça. Ce flux d'embaumement arrête la décomposition du corps. Non, mais c'est tout ce que je vais pouvoir faire, quoi. Après, si je vais sur la table de zombification, je pourrais le réanimer, mais faudrait que je lui enlève ses crânes avant. On va peut-être tenter, hein.
Je vais tenter, de toute façon, j'ai sauvegardé, donc au pire des cas, je réitérerai après. Je vais commencer par bouffer un burger. Donc 4. Je vais retirer la viande parce que je vais en avoir besoin. Dans l'idéal, faut qu'il reste positif. Là, c'est bon. Faudrait que j'enlève ça. Ok. Maintenant, il s'agit de pas se planter. Et au pire des cas, je lui remets et j'enlève autre chose. Mais là, je suis à 2 sur 5. Ok, on est bon. Si j'enlève le crâne maintenant. Il faut pas que je l'extropie aussi parce que sinon ça va pas le faire. 3 sur 5. J'étais pas à 2 sur 5 avant. Si je fais insérer que je remets le crâne. Moi je suis à 2 sur 5 là. Si je lui enlève l'os. Dans l'idéal, il faudrait que je sois à... Là je suis toujours à 2 sur 5. Donc au pire des cas, l'os je vais le garder. Là, je suis à 3 sur 4, ok, donc le bout de peau, faut que je le remette. Si je t'enlève ton cerveau. Je suis à 1 sur 4. C'est pas bon, là. Vas-y, 3. Si j'enlève le cœur, après je vais tester le grain, mais là je suis mal barré. Je suis à 4 sur 2, là c'est pire que tout quoi. Ah, faut que je te remette ton cœur. Ok, là je suis à 0 sur 4 en ayant enlevé ça. Je vais essayer de lui remettre et d'enlever juste le gras. Faudrait que je fasse 4. Là, je peux lui enlever le gras. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pas retiré. Là, je suis à 1 sur 6. Ce qui en soit pas mal. 1 sur 6, 1 sur 6. Et comment lui enlever le dernier? Si je fais ça. Je passe à 0 sur 5. Bah écoutez, c'est mieux que rien. Je vais le prendre. J'aurais pu le foutre dans mon cimetière aussi. Mais je peux peut-être... De toute façon, j'ai pas sauvegardé. Hein. Mettre table de résurrection. Ouais, je veux. Ressources requises pour la résurrection. Bah ouais, je les ai. À moins que ce soit pas détecté parce que c'est dans la besace. Et donc il faudrait que je prenne ça aussi. Et là normalement on est bon. Résurrection impossible, le corps est pourri. Ouais d'accord, ok. Dans ce cas là je vais le mettre là. Libérer la table. Et si je fais ça, sinon je le fous dans le cimetière hein. Je vais essayer d'injecter ça pour voir, fabriquer. Faut que j'attende. Ah ok, faut que j'attende. Ah, libérer la table. Lui il est à 3 sur 5. Bah, écoutez, on va essayer de faire ça aussi avec eux. Je sais pas combien il est, lui il a 28%. Bah, faudrait limite que je fasse ça aussi. Hein. Et lui, je vais essayer de le dépiauter pour voir ce que ça peut donner. Et puis, ben, on se retrouvera la prochaine fois. Je vais faire une petite éclipse quand même pour voir ce que ça va donner. Je vais dépiauter le corps en attendant et on se retrouve après pour faire le bilan. Et pire des cas, je sauvegarderai pas et on essaiera de sauver le corps du gardien de cimetière feu la prochaine fois, hein, bien sûr. Donc c'est parti. Ok, mur, j'ai réussi à faire un corps 0 sur 6, là. Donc, je vais prendre le corps. Je vais le foutre là. Et là, je peux le ressusciter.
Ok, et j'ai fait un zombie. Et je fais comment pour voir son niveau? Je sais pas si une fois ici... Ah, je peux quand même leur retirer les trucs derrière. Efficacité 15%. Ah, je pense qu'il y a peut-être moyen de les booster, hein. Je vais prendre le corps. A priori, là, c'est fini. Libérer la table. Il est à 28% encore. Bah, écoutez, je vais le mettre là. Et je sais pas si ici, après, dans l'embaumement, si je pourrais le booster avec d'autres trucs. Ça, je sais pas comment ça va se foutre. Sachant qu'on voit les ressources que j'ai achetées. Ah ouais, mais en fait, j'ai tout déposé. Je suis venu là, mais j'ai tout déposé. Libérer la table. Lui, je vais lui filer une place et je vais aller récupérer mes concoctions. Quitte à le laisser là pour le moment. Bah non, si. Vu que j'ai envoyé l'autre faire des allers-retours à la carrière. Lui, je vais le remettre à la maison. Et je vais aller chercher justement ce que j'ai laissé ici. Je vais te mettre à je sais pas où. L'autre, il est en train de me faire des allers-retours. Ah, pire des cas, toi, tu vas me couper des blocs de... tu vas me découper des blocs. Ah, ça t'occupera. Et ça libérera de la place pour l'autre. Quant à moi, j'ai laissé tous mes trucs d'embaumement dans le coin ici. Mais le seul truc, c'est que je sais pas si je vais avoir la place de transférer tout ça. Ok, il y a notre collègue qui vient d'arriver et qui repart. Ouais, 15%, c'est pas terrible, quoi. Donc, je sais pas si en leur injectant d'autres trucs, on pourrait augmenter leur niveau. Vu que l'autre, je l'ai laissé là-bas, ça va être un peu compliqué. Bah, pareil, lui, je vais essayer de le décortiquer. Mais par contre, il me reste qu'un hamburger. Et je suis claqueur, je vais aller faire dodo d'abord. Ok, mur, avec ce corps, je suis à 6 sur 2, j'arrive pas à faire mieux. Je peux plus faire d'opération chirurgicale là. Je sais pas si au niveau de l'embaumement, je pourrais mettre d'autres trucs. Ce fluide peut être appliqué à un corps sur la table d'embaumement pour modifier ses caractéristiques. Effet de l'embaumement. Ouais, mais est-ce que ça va lui filer des crânes? Ou est-ce que ça va lui en retirer? Là, ça fait plus de crânes rouges, c'est pas ce qu'on veut. Et je peux peut-être faire une injection de colle pour voir. Alors déjà pour les premiers corps. Là je suis refabriqué, on verra bien. De toute façon là j'ai pas sauvegardé. Alors celui-là il est... il est bien. Hein. Est-ce que je pourrais pas lui rajouter un petit crâne? Sachant que j'ai toujours ça aussi. Ça, j'en ai plein. Ouais, effet de l'embaumement. Mais si c'est moins un crâne et moins un crâne blanc aussi, c'est chaud, quoi. Là, c'est moins un crâne. Ouais, je peux peut-être lui mettre ça. Plus un crâne et moins un truc négatif. Donc, à la rigueur, autant faire ça. Et ça n'a pas l'air de vouloir, les jeunes. Peut-être parce qu'il a pas de crâne. Donc ça se trouve, là, le seul truc que je puisse faire, c'est lui faire une injection. Une injection comme celle-ci. Une injection de colle. Ah bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. On se prépare pour notre gardien. Je sais pas son état de décomposition, sachant que j'ai là le pépère qui m'a ramené un nouveau corps. Ah putain, il est dans un sale état, lui. Et de toute façon, faut que je retourne à la pêche. On ira à la pêche la prochaine fois parce que j'ai plus de burger et je vais en avoir besoin. Donc, tant que ça se fait, je vais aller déposer mes éclats, moi. Ok, les jeunes, ça doit être terminé. Du moins, pour celui-ci, c'est le cas. Je me demande si je suis pas passé à... 7 sur 2. Alors, peut-être que je peux faire ça maintenant. On va tenter de lui mettre une injection en or. On va faire ça comme ça. Et celui-ci, il est à 0 sur 6 libéré.
Faisons-nous un autre zombie, les jeunes. Impossible, le corps est pourri. Ah putain, vous déconnez. Ah putain, je suis à zéro. Et ouais, je peux pas remonter son niveau même en faisant une injection de colle. Ah, je peux pas. Enfin non, c'est même pas une injection de colle, c'est de conservation, ça conserve rien du tout. Bah, écoutez, celui-là, je vais la ramener à l'église dans ce cas-là. Et puis c'est là-dessus qu'on va cesser, on verra le résultat sur les autres. On essaiera de faire une expérimentation dans les règles pour sauver la vie du gardien et en faire un bon zombie et le mettre devant la taverne comme prévu. En attendant, celui-là, je vais l'enterrer. Je vais l'enterrer là, histoire de boucher un peu le trou. Bah, écoutez, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Ouais, je vais lui mettre ça, c'est ce qui rapporte le plus. Ouais, par contre, zéro. Déconnez ou quoi? Pourquoi il me rapporte zéro? Ah putain, parce qu'il a pas de crâne. Mais si, là, 06, c'est pourquoi il... Je pige... Hop, là, il y a un truc que je cale pas, quoi. Ouais, faudra essayer de trouver la solution, là, parce que là, il y a un gros problème. Il est censé avoir 6 crânes, mais il y en a 0 ici. Ok, chelou. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!